Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 9ème épisode de notre Let's Play sur Super Mario 3D World plus Bowser Fury sur Switch. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes toujours dans le monde 5 que nous avions commencé à explorer avec l'ami Ouija Ouija ici présent. Et on avait fait les 4 premiers niveaux qui se présentaient à nous, donc le niveau littoral tropical, le niveau de Captain Toad chez les boues, ainsi que le niveau l'allée de tous les dangers qui était assez sympa, et les trapèzes tragiques. Entre les épisodes, j'en ai profité pour aller me rechercher des costumes de chat parce que j'aime bien ce costume et j'ai chopé le drapeau doré comme vous voyez juste au-dessus au niveau du monde 5-2. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire dans le reste du niveau, sachant qu'il nous en reste encore un petit paquet. Il nous reste encore 5 niveaux plus le niveau de Bowser. Autant dire qu'on a du travail. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez me signaler les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique PIC et hashtag fail et fail, plus seulement exact que je vais rajouter à la compilor. Je vais juste regarder un truc parce que j'ai toujours pas trouvé la maison des Libella. Ah oui, ça on avait vu que c'était des trucs mûchouettes, juste des pièces. Alors, je vais aussi en profiter parce que les premiers épisodes, j'ai malheureusement dû les enregistrer à la suite puisque mes parents sont venus chez moi. Là, ils sont partis de chez moi. Alors, par rapport à vous, ils sont partis de chez moi hier. Je veux dire, si vous voulez la preuve. Il n'y a pas la date qui est affichée, évidemment. Il n'y a pas moyen, genre, si je fais sauvegarde. Voilà, vous voyez, derrière sauvegarde. 24 du 2 2021. Voilà, ils sont partis depuis peu de temps. Donc, bah, faut que j'enregistre, forcément. Donc, du coup, j'ai pu voir un petit peu vos retours et tout ce qui va avec. Et il y a deux éléments qui ont retenu mon attention. Déjà, le premier, j'avais oublié que la boum boum femelle s'appelait Pom Pom. Du coup, merci de me l'avoir rappelé. Et, l'autre truc, c'est que j'avais parlé de faire un 100% et on m'a dit qu'apparemment, pour faire le 100%, il fallait littéralement finir le jeu 5 fois. C'est pas une vanne. Une fois avec chaque personnage. Donc, vous vous doutez bien que ces 5 tampons-là, parce qu'il y a un 5ème personnage qu'on débloquera plus tard dans le jeu, vous vous doutez bien que ces 5 tampons-là, je vais les faire de mon côté. Parce que je pense que faire le jeu une fois, ça suffit. Mais le reste de ce qui est disponible dans les niveaux, ça par contre, on le fera. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait, on est tranquille. Alors, l'appel de la savane. Let's rock'n'roll. On va se remettre en mode, il faut chercher, explorer tout le bordel. Oh, c'est beau. Donc, en fait, pour voir s'il n'y a pas une étoile cachée par ici, genre dans le petit arbre. D'accord, donc on a maintenant des ennemis qui transportent des clochettes. Bon, si j'avais su, j'aurais pas été dans les premiers niveaux en rechercher une. Attends. En mode Odyssey style. Ah, dans Odyssey, t'as des lunes en faisant ça, hein, je suis désolé. Ok, donc la clochette, on verra si j'en ai besoin. Je peux escalader ce truc-là? Mais oui. Quelque chose? Ah, attends, faut bien qu'on explore tout ce bordel. Ok, donc là, c'est vraiment les... C'est les fourmiliers qu'ils appelaient ça? Naze, si j'avais su, j'aurais pas été chercher des clochettes dans les premiers levels. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, même pas. Ah bah attendez, les gars, j'ai rien trouvé. Il devrait y avoir eu quelque chose là, à ce niveau-là, non? Oh, attends. Oh, regardez-moi ça, là. Oh, les petits bâtards. Ok, c'est pas grave. Je vais aller la chercher, cette étoile du cul. Et deux. Alors, faut faire gaffe, il y a des fuzzy. Ah, attends. Va falloir timer. Go. C'est pas mal, ça. Ah, on peut même pas atterrir avec un coup de cul. Eh, mais attendez. Mais vraiment, je suis en train de me dire, les trucs que je vois, c'est 64 landes pour moi. Enfin, c'est vraiment 64 landes. Le monde, je crois que c'est le monde 2. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment 3D World s'il était sorti sur 64. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc là? Ça m'intéresse. Allez. Oh nice! Je suis un bloc à pièces! Je suis un bloc capitaliste! Je suis le bloc de l'Ouest! Hashtag guerre froide, hashtag toi-même tu sais! Ok. Oh, toutes ces pièces. Oh, mais qu'est-ce qu'on a, là? Ok, donc il va falloir qu'on explore une espèce de zone couverte. Alors, faut juste, par contre, que je fasse aussi gaffe à un truc un peu plus personnel. Alors, parce que les parents, vous avez dit tout à l'heure, les parents sont partis. Sauf que mes parents, dans leur grande tête en l'héritude,
ont oublié leur clé de voiture chez moi, donc à 800 bornes de chez eux. Autant dire qu'ils vont avoir un petit problème quand ils vont devoir... Oh, attendez, il y a un truc vert là-bas. Attendez. Et ici, petit con. Voilà, donne-moi ça. Merci, petit con. Non, mais c'est surtout qu'en faisant ça, attends. Essaye de les choper. Et ici, toi. Et toi? Oh, il y a une libella là-bas. Allez, viens ici. Viens ici, petit con. Je vous ai tous chopé. Oh, attends, il y a encore des trucs là. Où était le checkpoint? Il était là. Voilà, on le prend. Oh, attendez, je vois que le temps, 185. Il va falloir quand même que je me bouge un peu l'arrière-train, là. Ok, on a encore plusieurs trucs à prendre. Je veux vérifier tout ce qu'il y a, moi, avant. Vous savez que je suis un explorateur, un agitateur, un babou... Attends. Ah, d'accord. J'aurais pensé que ça menait à un truc caché. Autant pour moi. Et sympa, la musique, là. Oh, salut. Et si ça avait été dans New Super Mario Bros, les ennemis auraient marqué, attendez-le. Tain. Ça se trouve, ils le font et je fais même pas attention. Non, je pense qu'il doit plus avoir grand-chose. Je vais aller voir la libella. Parce que vous m'avez pas mal rappelé aussi que l'effet, c'était des libellas. Attends, voilà, c'est ça que je voulais voir aussi. Juste des caisses. Ok. Yop. Elle est arrivée là-haut, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est la troisième... Où sont la troisième étoile et le saut. Ça, je prends, merci. Ok, on y va. Ok, oh, une étoile d'invincibilité, ça m'intéresse, ça. Et un truc à droite. Ok. Alors, j'ai pas repéré le saut. Je l'ai pas vu, mais pas du tout. Allez, go. 1, 2. Merde. Aïe. Pourquoi je regarde la caméra en faisant ça? C'est vous que je dois regarder. Bon, au moins je sais où c'est. Mais j'ai complètement loupé le saut. Attends, là-bas? Je l'ai pas vu du tout. Cette espèce d'enfoiros. Au pire, on reviendra avant d'aller affronter Achao Bozuer. D'ailleurs, si on revient dans les niveaux de glace, il faudra que je vous montre un petit glitch sympa. C'est facile à faire si j'arrive à le faire. C'est en gros, c'est juste un glitch pour avoir une super accélération. Ah non, le saut, on est d'accord, il est pas là. Hein. Allez. 1, 2. Ah merde, je vais celle-là. Finaise. À chaque fois, je manque de me faire choper. Voilà. Bon, au moins. On va choper le drapeau doré. Donc, on n'a pas le saut, mais on a les 3 étoiles et le drapeau doré. C'est toujours ça de prix. Et franchement, ce niveau, il était visuellement, il était beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai apprécié. J'ai kiffé, comme disent les jeunes. Bon, donc on aura un saut à les récupérer. Ensuite, donc on a un niveau supplémentaire. Et 2 niveaux supplémentaires. Lequel doit être fait en premier? Régal de dalle. Mais d'abord, c'est le souterrain miné. Très bien. Ah, c'est bien, on va y aller avec un chat, c'est le souterrain miné ET. Puis on peut laisser le souterrain de Bernard. Bernard Minet! Putain, les boomers, manifestez-vous! Les enfants des années 80-90. Allez, c'est parti. Comme d'hab, derrière le départ, ton perso circule. Oh! Bah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mon bon monsieur. Ok, va falloir qu'on prenne une bombinette. Oh, c'est beau. Bon, attends. Boum. Attends, je tentais un truc. Yeah! Première étoile, tas de pimpons! Je peux passer par ici?
D'accord. Bon, ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Bon, attends. Je suis en train de me dire, moi, je vais le faire avec le Tanuki. Je vais faire avec le... Oh! Je viens de faire popper une vie! Bon, puis je vais la récupérer, tant qu'à faire. J'en ai pas besoin, mais je la... Attends. Wait a sec. Voilà un truc. Ah non. Je reprends ça, merci. Oh, petit lapin. Donne-moi ça. Reviens là, petite merde. Voilà. Donne l'étoile à Ouija Ouija. Oh, il y a un truc là. Voilà, on prend ça et on fait péter ce mur-là. Oh. Oh, je peux aller par là. Oh, le saut. Nice. Excellent. On raconte ce que c'est. Et du coup, bah, je vais faire... boum. Boum. Oh, c'est beau. Ok, là, le canon, à mon humble avis, mène vers la troisième étoile. Oh. Oh. Faut qu'on fasse un sprite de Mario en 2D. Mais ça, c'est la classe. Oh, la musique. Vraiment qu'on fasse... Ah, il en reste encore quelques pixels allumés. Oh, ouais. Et normalement, avec ça, c'est bon. Ouais. Oh, c'était stylé, ça. C'était stylé comme mission pour une étoile. Un petit clin d'œil au passé de la licence Mario. Moi, je valide. Allez, fais-moi péter tous ces blocs. Fais péter ceux-là aussi. Voilà. Allez, let's go. Oh, c'est beau. Je vais juste remettre le chat pour choper le drapeau doré. Ouais. Bon, normalement, je pense que c'est censé utiliser le bobon, mais... Balek. Voilà, Balek. Bon, bah, c'est un niveau terminé à 100%, mesdames et messieurs. Yay! Et nous avons le saut bobombe. Comment ça prend de forme, tous ces sauts, mine de rien. Allez, niveau suivant. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison des Libella, s'il vous plaît? Yes! Bon, on va aller prendre le saut gratuit, hein. Et on a l'avant-dernier niveau qui est disponible. Excellent. On va probablement encore un barrage d'ennemis, je pense. Allez, je prends merci, madame. Et le saut Libella orange. Non, marron ou orange? Enfin, Libella, en tout cas. Il est gratuit. On prend. Bah, le gratuit, j'aime bien. Bien. Si je regarde un peu la carte, là, un petit peu de quel est le FUC. Il nous reste, non, il nous reste juste deux niveaux avant Bowser et ils sont à l'écran. Donc là, nous avons En douce sous les projecteurs et là, nous avons Régal de dalle. Et bah, faisons Régal de dalle. Je pense par contre que le Tanuki sera plus adapté à ce niveau. On verra bien. Attends, j'ai cru avoir vu là. Zop, zop, zop la boum. Ah, tu donnes ça. Ouais, bon, on va faire avec la fleur de feu, allez hop. Faisons les fifous. Donc, on va faire blup. Et puis blup. Et donne-moi ça, merci. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on pète toutes les plantes tiranes? Ah, c'est nice ça. Y'a quoi dans ton bloc là? Oh, une double cerise. Ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un défi à relever. Soqué. Merde, je me suis fait bouffer un Ouija Ouija. Bon, bah, pas grave. Hop. Hop. Saloperie, va. Y'a pas une étoile? Je vais vérifier qu'il n'y a pas une étoile par hasard. Zop. Zop. Zop la boum. Ah, on dirait pas. Ah,
Un truc en pétant la, la plante Piranha, là, à mon avis. Allez. Encore une double cerise. Ah merde, c'était rapide, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh. D'accord, va falloir qu'on règle le truc. On va le mettre comme ça, je pense. Je crois que je me suis foiré. J'ai appuyé trop tôt. Je peux recommencer, s'il vous plaise. Ah mais non, putain, je suis con. C'est un machin qui accélère avec les sauts. C'est le concept. Allez, go. Là, on le met comme ça. Faut juste que ce soit en bonne position. Et là, on est en bonne position. Et normalement, ça fait popper une étoile. Yay! Bon, moi, c'est bien. Le jeu est sympa. Il me file une tentative supplémentaire. T'es un vrai. Et je vois déjà la troisième étoile qui nous attend. Enfin, ce qu'il faut pour la troisième étoile qui nous attend ici. Allez, go. 2. Merde! J'ai pas fait gaffe qu'il y avait plus de sol. Putain, c'est con, ça. Ah, c'est con, il y avait plus de sol. Putain, j'ai 1109 vies. Comment je suis trop un caca? Je crois que j'ai utilisé ma tenue de minou. Et merde! Pourquoi je suis un caca? Vous pouvez me répondre à cette question, hein? Pourquoi je suis un gros caca? Voilà. God damn it, Luigi Widge! Pourquoi je fais ce... Bon, on s'en fout, c'est probablement le dernier monde que je fais avec Luigi. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire Luigi en premier. Parce que Luigi, aux dernières nouvelles, c'est une savonnette. Hop, mets-toi ça. Ah merde, je l'ai loupé! Nique-toi! Ok, il faut être à deux pour récupérer El Tampon. Hop. Zop. Zop la boum. Bon, au moins on a le drapeau noir. Bon, on a repéré ce qui nous manquait dans ce niveau. Ça devrait pas être trop problématique de l'obtenir. Donc il va falloir réussir à garder deux Luigi. Donc il va falloir prendre, il va falloir foncer pour récupérer ce saut là. Ou alors, on le fait en kamikaze. Non, je pense pas que ça, je pense pas que ça sera gardé. On a le drapeau doré, c'est déjà ça. Allez, on va faire en douce sous les projecteurs. Il va falloir esquiver les projecteurs en théorie. Hein. Mais c'est de la théorie purement théorique, ça, les enfants. Allez, d'accord. Ok. Putain, j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de prendre un champi, les mecs. Oh, vous abusez un peu là. Bon, au moins, mon Luigi Luigi il est grand. Ok, on est en tanuki. Voilà, coucher. Alors. Oh, j'ai un ressort, attends. Je vais l'embarquer. On n'est jamais trop prudent. Oh putain. Ah merde. Merde. Bah, le sous-tilé. Là en bas? Non. Toi je t'embarque avec moi. Tiens. Double ressort, d'accord. Ah ok, d'accord. Ici. Ah! Au secours! Je suis en train de me faire bombarder! Et deux. Très bien. Ouais, cool, comme tu dis. C'était cool. Ah, attendez. Et re les gens. Voilà, j'ai... Comme je vous le disais, j'ai eu des nouvelles des parents avec ce qui leur est arrivé. Et bah du coup, finalement, ils reviennent à la maison pour la journée parce que, bah, ils... Ils sont descendus en catastrophe de leur train pour venir récupérer ce qu'ils ont oublié, et puis bah...
Ah, le temps qu'ils reviennent, ils seront chez moi d'ici, ouais, une petite heure, à tout péter. Ok. Le saut est ici. Il faudra esquiver. Ah, ouais. Vas-y, moi, je le fais là. TKT, frérot. Je peux avoir un power-up, là, s'il vous plaît. Bon, pas de power-up, je vais me faire avoir, ok. Merde. Attends, là. Je suis un peu en train de me faire bombarder la gueule. Oh, là-haut. Vous pouvez pas bombarder ici, les... non, bombarder ici, les gars. Bombarder ici. Eh, regardez. Les gars. Bombarder ici. Merci. Là, je prends ça. Mais rien à foutre, moi je suis Belmondo, je mets le coup de boule. Ok. Vitesse rouge. Allez, je fonce. 6, 7 et 8. Yes. Allez, plus qu'une étoile et on est bon. Il y a du temps là. 30 secondes de plus, je vais pas dire non. Hop. Hop, hop, mais t'es qu'à tes potos. Eh, débombardez-moi ça là, les gars. Les gars. Voilà, bombardez ici les mecs, s'il vous plaît. Ah, il faut encore que vous bombardiez ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes des vrais, les gars. Vous êtes des potes. Vous êtes des bros. J'adore, le machin, c'est en doux sous les projecteurs. Moi, qu'est-ce que je fais? Pas les couilles, frère. Excellent. Sir, yes, sir. Badadam, pam, pam. C'est pas la classe, ça. C'est pas la classe, ça, les enfants. Et on a le saut Toad. On n'avait pas eu de saut Toad, vous êtes sérieux? Bon. Ouais, t'as à peu près quoi, 21-22 minutes avec ce qui s'est passé? Est-ce qu'on prendrait pas le temps d'aller récupérer ce qui nous manque dans le niveau d'à côté, là? Il y a toujours... Il faut... Et je regarderai pour le saut du niveau d'après. Allez, c'est parti. Donc on va prendre ça. Hop. Zop. Hop. Hop. Ok. Donne-moi la double cerise. Va falloir qu'on arrive à la garder jusqu'à la fin du level, celle-là. Parce qu'à la limite, c'est vrai qu'on pourrait aller faire le saut en priorité. Comme ça, on est pas mal. Ah bah bravo, je suis vraiment une merde. On parle. Il y a une autre double cerise ici. C'est une nouvelle tentative. Ah mais va... Bon, au pire. Au pire, s'il faut faire deux passages pour tout choper, je ferai deux passages pour tout choper, c'est pas grave. Hop. Hop. Zop. Et... Voilà la troisième étoile. À la limite. Je kamikaze volontairement pour la valider. Bah ouais, s'il n'y a pas de raison. Et maintenant, il me reste plus qu'à réussir la double cerise. C'est ce qui va être le plus compliqué, je pense. Évidemment, non mais je le fais, mais je veux sauter en réflexe. Mais oui, forcément. Forcément que je fais de la merde. Forcément. Putain, je suis à 1104 vies, c'est mon total le plus bas depuis le début du let's play. Ah non, c'est pas vrai, je commençais le jeu à 5. D'ailleurs, je suis en train de me dire pourquoi ils ont pas mis cet item là dans Mario Maker 2. Ça pourrait être très très rigolo de faire des niveaux en double cerise. Oh, mais nique-toi le truc là! Nique-toi le truc! Oh, putain, que je suis tout petit. On va essayer de les regrouper un peu. Ouais, c'est vrai que je les regroupe comme ceci. Alors, regroupez-vous, les gars.
Et zop la boum. Ça. Et bien sûr, ça n'atterrit pas dessus. Tout ça pour un putain de temps pour les deux. Ah, je crois que c'est le bon. Voilà. Excellent. On peut revenir s'il vous plaît, merci beaucoup. Bon, du coup, il ne me reste plus qu'à enquêter pour le tampon qui nous manque dans l'autre niveau. Hop là, bon. Excellent. Comme ça, ce niveau est fait à 100%. Enfin, il nous manque un tampon, le niveau de Bowser, et on sera prêt à passer à un autre monde dès demain. Eh ouais, dès demain, on verra le monde 6. Et on a le saut de Peach. Excellent. Voilà, comme ça on est beaucoup mieux. Donc là où il nous manque un saut, c'est ici. Et vous savez quoi les gens? Je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario 3D World. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant, ça fera super plaisir. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, vous connaissez le mic. N'oubliez pas non plus d'aller jeter un à la chaîne de VOD ainsi qu'à la chaîne Twitch, dont les liens sont disponibles dans la description. Et en attendant, la fin du monde 5, puis le début du monde 6, probablement avec Toad. Je vous remercie encore mille fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à ciao, bonsoir.